C'était pour savoir un petit peu ce que... Ça, je peux mettre aussi sur... Évidemment, j'assume. Hein, Qu'est-ce que tu veux savoir ? Je vais quand même pas me gêner d'embrasser Sandrine Quétier alors qu'il y a des milliers, des centaines de milliers d'hommes qui rêveraient d'être à ma place. C'est pas vrai, tu crois ça ? Des millions. Des milliards. Je te demande quelque chose. Ça va pas bien, non ? Quelle est ta question ? Il est malade, ce mec. C'était pour savoir ce que vous aviez pensé. Il m'a fracassé la mâchoire. Ouais, bah c'est normal, j'ai pas mis la langue. Ah non, c'est intense, hein. Alors, vas-y. C'était pour savoir ce que vous avez pensé de cette rencontre avec les lecteurs. Bah écoute, moi, je suis toute décoiffée. Non, c'était très sympa. En plus, moi, pour moi, c'est important parce que le Maine Libre, c'est le journal de ma région. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Et à chaque fois que je dis à Sandrine, tu as vu, on a une journée de proximité au Mans, comme on les appelle, des journées de proximité. Eh ben elle est super contente, ouais, parce que... J'avais un bon souvenir en plus de la dernière fois. Et lorsqu'on est arrivé chez vous tout à l'heure, elle savait que c'était au premier étage, elle est allée directement dans la bonne salle. Alors c'est vous dire. Donc finalement vous êtes un peu chez vous ici alors. Ah, moi j'y suis, ouais. Voilà, moi j'ai été bien adoptée, donc je suis contente. Non, les questions étaient pertinentes et je suis très content que nous soyons venus ce jour encore. Je suis bouleversifié, le mot n'existe pas, mais je suis bouleversifié par le bisou que j'ai fait devant la caméra du Maine Libre. Il m'a fracassé la mâchoire, moi je vous le dis. C'est-à-dire qu'il m'a chopé comme ça, tu m'as fait un mal de chien. Oui, mais je t'ai dit, j'ai fait mal parce que j'ai pas mis la langue. Ouais, c'est ça. Alors, voilà. C'est tout. Et non, merci le Maine Libre. Bon, donc ça va, oui, les questions étaient bien. Ouais, les questions étaient bien, les réponses surtout étaient magnifiques. Les réponses étaient, Sandrine nous a fait des réponses. On a fait des réponses de le Nobel, c'est pour nous l'année prochaine. Hein. Ouais, hein, exactement. Mais attention, quand tu me regardes comme ça, c'est que tu vas faire une connerie. Non, pas du tout. Regarde pas. Regarde pas. Je suis content de bosser avec elle. J'adore. Je te rigole bien. Ouais, hein. Bon, et on vous revoit quand, au moment, alors ? Ouf, non, en demain, fait, moi, je ne pars plus. On reste ici, on dort ici. Et non, j'ai vraiment envie de la faire venir aux 24 heures du Mans. J'allais dire, mon rêve, mon désir, mon souhait, c'est qu'elle vienne aux 24 heures. Elle ne connaît pas la course. Mais non, je ne connais pas. Alors, après... Si j'ai pas de tournage, je viendrai. Oui, parce que madame est très occupée, vous comprenez, donc évidemment... Non, mais je viendrai avec grand plaisir, mais t'as vu, l'année dernière, ça s'est mal goupillé. J'étais oui. En tournage dans le sud, c'est pas facile. Ouais. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Vous avez vu, on a beaucoup de conversations. Hein? Ok, merci beaucoup. Mais merci à vous, merci, le Maine Libre. Et puis on fait comme d'habitude, on vous retweet. Voilà, okay. Le Maine Libre. Au revoir. Merci. Ciao. Salut. On s'embrasse? Non.